Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va, Ça Faux? va très bien, Ça toi? va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un petit mono blanc. Ah gros, ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté ça, Imported Deck évidemment, on l'a juste pris d'un tournoi d'internet. D'un tournoi d'internet qui Régu. avait l'air plutôt de bonne facture pour le coup, et ça, je rencontre Exact. beaucoup en ladder et c'est vraiment ça bourre quoi. Ah ça bourre Ça bien, bourre bien. il y a des nouvelles petites cartes dont on va parler dans quelques instants. Pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir. Merci beaucoup sponsor Play My Magic Bazaar. Code VALPL 2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient. Merci à tous, merci aussi à Ultimate Gourde. Il y en a affilié dans la description. Si vous passez par ce lien pour acheter les produits Ultimate Gourde, ça nous soutient directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Dans votre globalité, merci à vous tous qui nous regardez, qui nous soutenez, qui vous abonnez, qui nous followez, qui vous subez. Merci à tous, ça fait plaisir. Et nous, on voulait vous remercier aussi. C'est pour ça que si vous l'avez vu dans la vidéo spoiler, ou si, enfin si vous ne l'avez pas vu plutôt dans la vidéo spoiler, on en parle aujourd'hui. On sera au Relic Fest ce week-end et venez nous voir parce que vous pouvez récupérer ça. Je vous les montre en énorme en HD. Ce sont des tokens faits par Post Cabrico, le boss. Lien dans la description si vous voulez aller voir son travail, c'est fou. Petit token food. Petit token trésor qui régale. Voilà, si jamais ça vous dit de récupérer ça, c'est gratos. Vous venez nous voir, on discute, on vous donne, on vous fait une petite signature dessus si vous en avez envie. Et ça régale, voilà. On a fait une petite quantité, c'est limité. On va donner que un par personne de chaque. Donc voilà, ne vous battez pas. Mais si vous arrivez trop tard, il n'y en aura peut-être plus. Venez nous voir au Relic Fest Normalement, pour avoir ça. on a prévu quand même assez On les a large fait, ouais. pour essayer d'en donner à tout le monde au Relic Fest. Mais bon. Exact. Et on les a fait pour les donner au Relic Fest. Du coup, il n'y en aura pas après. Il n'y aura pas de façon de s'en procurer par la suite. Ce deck, Val, quoi donc? C'est un deck mono-blanc aggro qui curve très très bien et qui met vite beaucoup beaucoup de pression tout en mixant quelques éléments de disruption. Notamment, je pense à Talia, gardienne de Traben, qui se pack très très bien dans le format actuellement et garant de la paix consacrée. Ça va venir battre toutes les stratégies très réactives et défensives ou les stratégies ramp côté garant de la paix consacrée. Et pour le coup, ça prend de vitesse beaucoup beaucoup de decks. Moi, je tombe beaucoup contre ça en ladder. Moi, j'aime bien tester des decks un peu midrange, un peu mou, un peu late game. Et pour le coup, ça me prend vite de vitesse. C'est vraiment très puissant. T'as la curve avec les 10 drop 1 pour vraiment commencer à mettre la pression dès le début. Ensuite, une armée de drop 2 avec quelques gestions et les ossifications. Et puis derrière, tes drop 3, c'est ou de la disruption, ou de la résilience, ou alors de l'agression pure et dure. Adeline, hein, qui met des points, c'est incroyable la puissance de Adeline. Et en plus, on vient rajouter un peu de late game tout en étant une solution d'early game avec la vertu de loyauté qui synergise naturellement bien avec les packs blancs. C'est une des meilleures cartes du standard actuellement. Elle est jouée dans plein de stratégies, de midrange en passant par aggro. Voire même certains decks contrôle, donc plutôt sympa. Et à côté de ça, en plus, on a une bonne mana base avec des Aiganjo et des fonderies de Mishra pour continuer l'agression et avoir un petit peu de gestion dans notre main deck. Exact. Et puis on a l'avant-garde des cartes de cuivre. Ouais, ça vient buffer, Trop ça fort. fait partie de l'agression, ça vient buffer notre board, donc Trop c'est trop plutôt fort. cool. Ça fait des sorties complètement dégénérées, ça, des fois. En side, on a des invasions de Gobakan, des annonces du mariage, x4, 4 déposer les armes également, 3 détruire le mal, et une petite impératrice vagabonde qui fait plaisir. Ouais. J'aime bien ce side, il est bien carré, avec un petit one-off pour le plaisir. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Franchement, ça, si vous voulez monter le ladder, taper vite et fort en BO3, c'est un bon deck. Et le regard que t'offre la vendeuse de grimoire aussi, c'est très cool. Tu as fait un petit peu de Ouais. sélection quand tu Je croyais que tu enchantes me ta parlais créature. d'illustration et le regard qu'elle a, Et le cette regard, vendeuse. je suis conquis. Le regard qu'elle t'offre, te rends-tu compte? Juste avec son œil vitreux, ça me régale. Ce regard Allons-y. qui se plonge profondément dans tes yeux. C'est beau ça. Trouver un match, classement, deux manches, standard. Il est où? Il est là. Il est là. Important deck. Il a la voix C'est fatiguée. parti. Oh, on a fait speed deck tech là. Bon, après, mono blanc aggro, bon. Pas Oui. grand chose, de toute façon vous l'avez passé Ouais. à Decktech. Et là Connaissez. vous avez cliqué et vous vous dites, oh comment ils savent qu'on va passer à Decktech? Parce qu'il y a le graphique YouTube, on le voit. On Mais voit du que vous coup, cliquez. vous savez pas qu'il y a ça au Pas Relic montre pas, Fest montre ce pas. week-end? Ah, ok. Pardon. Ils n'ont pas regardé. Puni. Les tokens VALPL, Et ben vous avez enfin. qu'à regarder. Ils sont là. Ils sont là. On les a bien montrés d'ailleurs dans la partie introduction de cette vidéo que vous avez skippée, évidemment. Et dans l'introduction de la vidéo d'avant, des spoilers, on l'a encore plus bien montré. Ouais, on a même proposé d'en donner à des gens sur Internet. Et ouais. Mais pas à vous, du coup. Eh ben non, pas à vous, C'est passé. vous avez skippé. Fin de cette vidéo, pouce bleu. Eh non, je rigole. Ah, Les imagine. skippers, là, on vous connaît. J'ai pas de tour 1. Putain, t'as 10 drop 1 quand même, Mais relou, hein. j'ai Mais la main est bonne. des tours 2. Et ça, c'est un bon tour 3 aussi. Puisque je peux payer ça, quoi. Ouais, tu vas garder cette main, elle est très bien. Et t'as un peu de résilience, plus une interaction, t'as une main qui est tellement complète Ouais. qu'on va accepter de pas avoir de drop 1, mais En plus, on peut le piocher. on pourrait Voilà. mulligan ardemment. On trouve un meilleur tour 2. Et on voit quand même tour 3 grimoire, enfin vendeuse et enchanteille. Oh, mono bleu.
Alors mono bleu, est-ce que j'ai pas envie de caler une talière quand je peux? Ouais, ou C'est-à-dire pas maintenant. espère sortie de merde. Ou espère sortie de merde, mais bon. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette talière? Tu veux la caler le plus rapidement possible et accepter de prendre contre-sort, j'imagine? Ok, j'aurais aimé essayer de la caler peut-être tour prochain, mais. Ouais, mais si tu la retardes, du coup, tu lui laisses un peu le temps de bruiter et tout. Je sais pas, genre là, C'est sûr que là, balance-la s'il n'a et... pas contre, Et s'il a pas il contre, est il est un pas peu bien, ouais. fraise, quoi. Enfin, il peut bouncer, mais. Comme notre plan, c'est de bourrer, c'est un petit plus la disruption de Talia qu'on accepte de perdre. Ça l'a pas aimé, là. Narwhal Tree. Je peux dire que s'il avait mec 10 de pied, je réfléchirais pas autant. Ah bah si, je suis juste chiant. Dommage. Dommage, Narwhal, Oh, de nous faire perdre du temps comme peut-être ça. il y a une petite déco. Mais Ottawawa. on les connaît, les petites décos. Peut-être pas mono bleu. Il peut. Alors, même si normalement tu veux jouer plein de deals pour les flots bleus. Les big deals. Je vais tenter ça sur Talia. Hein. Ouais. Normalement tu veux plein de deals, mais peut-être que lui joue quand même un Ottawa, c'est pas déconnant du tout en vrai. On se fait spam sur Twitter. Ça c'était tes tokens d'hier soir là. Ah, ils t'ont régalé ou Ah pas? bah ils m'ont régalé, puis ils ont régalé Twitter surtout. Franchement, lequel c'est ton préféré entre les ailes, Alors, serpents moi, et c'est limaces? de très très loin, et t'aurais presque pu t'arrêter là tellement on était au climax, les ailes avec la tapette à souris dans la main droite, quoi. C'était un bouclier. Oui, je sais, mais Mais. la tapette à souris, les ailes, c'était trop, quoi. Les ailes, eh ouais. Les ailes 4-4. Moi, j'ai. Serpent, je me suis un petit peu. Bon, j'ai bâclé. Mais Ouais. limaces. Ah, Lima, c'était pas mal. Limaces, c'était quelque chose. Et là, il est pas frais, là. Ouais. Pas content, là. Ah non. Pas content. Pas con... Ah, il a compris que ça servait pas contre nous. Déjà, tu es au mono bleu, t'es pas content d'affronter mono blanc. Ouais. C'est que des permanents qui attaquent. Qui attaque bien. Ah ouais. Ah, je vais mettre ça tour d'après, je crois. Ou Adeline, hein. Ça dépend s'il est full tap ou pas. Mais non, je peux pas attaquer avec ça, je suis con. J'allais dire, je veux buffer et protéger, mais j'attaque avec ça, donc c'est pas bien. Donc Adeline, c'est mieux. Bon, Narwhal, il faut qu'on discute là. Ok, bah tu vois, j'ai mis une petite pression. Avec 4 landes, qu'est-ce qu'on veut? Je peux faire double bête, mais je profite pas de ça. Je peux faire juste Adeline, mais je suis pas mana efficient, mais c'est fort. Dans tous les cas, ce sera pas maléficient, quoi qu'il advienne. Je crois que j'ai fait Adeline ici. Si je peux tour 2, juste je perds un trigger, Ouais, quoi. mais du coup, tu fais pas ton trigger. Ah, et le tour d'après, si tu... Ouais, mais bon, tu vas pas piocher land, c'est difficile, il y a Non, je peu vais de faire land. Adeline, ouais. Je crois que quand tu peux timer Adeline, tu times Adeline. C'est pas grave, on rentre des points. Ouais. Et mine de rien, les 3 PV là, si je le gagne encore une ou deux fois, c'est chiant pour son djinn. Ça peut retarder un tour de S'il est turret, ouais. gros, ça lui fait un tour de plus, ça fait qu'il peut pas trop se commit. Enfin, il doit se commit différemment, disons. Ah, il joue les terreurs lui. Et ben c'est très bien, sauf qu'on n'a pas le land et que Talia fait qu'on peut pas jouer ça. Ouais, mais ça va venir. Ça va venir, ça récupère pas ça. Bah écoute, là, c'est le moment de faire vendeuse avant-garde, hein. Juste développer du board large, parce que de toute façon, il peut rien y faire. Et dès lors qu'on va trouver un mana, une plaine, on va pouvoir libérer le board. Libérer le Kraken. Ouais, bah après déjà je vais pouvoir mettre un truc là-dessus Et pour pouvoir commencer à attaquer. attaquer, ouais. C'est parade 1, c'est chiant pour lui. Déjà qu'il gère pas trop. Ouais, il trouve pas de land depuis un moment, donc il a vraiment une main claffie. Ouais, mais tout ce qui est sur notre board n'en partira plus, ou peu. Normalement. Ah! Je vais faire une phase d'attaque. Déjà. Je paye 1. Ouais, paiement en taux. Je le mets là. Tu le mélasses même. Je vais attaquer. Attaque Juste donc. avec ça, et je scry 1. Il C'est une plaine, je garde, je crois. est fort ton deck. Hein. Il fend. Il est fort. Il fait des choses Il est avec des fort. cartes et Ouais, des ouais. effets de cartes. Ah! Non, il a la main que la fille. Qu'importe ce que tu vas citer, il aura autre Là! chose. Ok. Dommage. Ah, vu qu'une plaine, ça ne dérange pas, c'est ok de faire ça. Ouais, on est même gagnant presque sur la plaine. Il peut bouncer l'enchantement et bloquer la spécialiste. On mettra encore du board. Bah On fera ouais. double bête. Il bloque. Ah, Oh, il perd excellent. terreur. Ok. Il perd terreur avec pertes et fracas. Ah, tu pouvais tourner autour de mec disappear en jouant d'abord adepte.
Mais peut-être que tu préfères avoir adepte. Ouais, Bah. je pensais préférer adepte, mais tu mets le doute avec vendeuse. Deux Surtout. effets, c'est intéressant quand t'as beaucoup de boards. Bah surtout si lui il fait des bords de large. Ouais. Bon, là, après, je peux te Oh, des dire. bords de bien jolard là, tu vois. S'il me fait pas double bête, je suis bien. Il met des bords de ample. Non, c'est nous qui mettons des bords de Bien ample. gelard, là. Il met des 501. bords de Bien droit. skinny lui, tu vois. Eh ben on s'en fout de ta terreur là. T'as pas compris toi. Bah mets tout sur la... Tu mets deux triggers sur la vendeuse. Hein. Ah non, tu peux aussi. Ah ouais, Je mais suis un non. exilé ou Alors, pas? si jamais il fait un contre-sort, tu passes ton tour, quoi. Alors que là, on s'en fout, tu fais double trigger sur vendeuse et. Ciao! Et je peux pas mettre des enchantements sur une même bête. Ah! Et oui, c'est des rôles. Donc je tente plutôt ça. Ouais, du coup, ouais. Chier quand même. Un peu chiant. Il va le contrer, c'est sûr. Genre, il a la main, elle est pleine. Oui. C'est nul. Pas assez nul, non, c'est pas nul, mais. Après, il est obligé de le contrer maintenant, donc on pourra quand même mettre les rôles. Ah On mais perd pas attends, mais on notre pouvait le mana. mettre sur Talia, on est con. On pouvait juste le mettre sur Talia. Deux rôles sur. Ah non, Mais mais non. non. On peut pas Je coupler pense sur. pas. Oh, Oh concentre-toi. Val! Qu'est-ce que tu Concentre-toi fais donc. hein? Écoute, hein. Concentre-toi, Écoute quand putain! je parle. Merde! Alors ça, il n'aime pas. Ah non. Ça, il déteste. Ça, c'est Bien que contre mieux. Jhin, mais c'est bien contre aussi. Ouais, Et contre vas-y. Serpent, il joue les deux. Vas-y, S'il jouait vas-y. que Jhin, je ne rentrais pas, je crois. Enlève Skrelv. Ça, c'est nul. Enlève adversaire, attends, balek, 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 C'est pas balek. mauvais, mais on peut enlever. Et tu peux enlever ossification dès lors que tu as rentré Ouais. des interactions éphémères. Qu'est-ce que j'aime pas trop? Spécialiste, on s'en fout en vrai. Ah, c'est trop bien. Il contre Talia, on rejoue Talia, c'était trop fort contre lui. Bah, c'était bien dans le spot spécifiquement où il compte Talia et tu rejoues Talia, mais sinon il gère pas ton board donc. Eh, mais il contre. C'est comme s'il est géré. Moi, Faut j'aimerais qu'il. bien garder ça. Faut qu'il ait contré spécifiquement ta Talia, quoi. Tu peux enlever Vertu par contre, Salut, c'est Tatalia. c'est pas bien contre lui. Ok. Ce qui fait que tu peux descendre aussi à 22 lents, je pense. Franchement, moi je suis good hein, comme Go, ouais. ça. Franchement, spécialiste, je pense que c'est vraiment bien. On aurait pu rentrer une vagabonde de par l'éphémérité de la carte. Ah, je voulais lire un commentaire maintenant dans la vidéo. Ah, J'ai c'est vrai. oublié. Eh ben tiens. Donc, je vous lis un commentaire. Je dis pas de qui c'est. De la vidéo votre deck préféré. C'est brûlé en enfer. En fait, anticipation de confiance, ma grosse Sheoldred. C'est fini, pouce rouge comme le deck. C'est un haïku. Merci. Maintenant, dans chaque vidéo YouTube, nous lirons un commentaire de la vidéo De précédente. notre choix. Alors, ça peut pas être de la vidéo précédente parce qu'on tourne trois De vidéos la en avance semaine par semaine, précédente. mais nous lirons à chaque fois, donc du coup, trois commentaires des trois vidéos de la semaine précédente Ouais. dans les trois vidéos de la semaine d'après. Donc, ça peut tomber sur vous. Un commentaire négatif ou positif. Mais moi, ce qui m'embête un chouïa sur ce commentaire-là, c'est qu'il y a quand même trois pouces bleus derrière. Donc, il y a des mecs qui disent ouais. Ah ben les gens détestent mono rouge. Et détestent qu'on parle de mono rouge. Tu vois, c'est une pratique que les gens aimeraient oublier. Et du coup, le fait qu'on en parle, ça plaît pas. Ou alors Ouais. c'était un commentaire humoristique, et dans ce cas-là, on n'avait pas compris, mais c'était drôle. Oui. Bah, la manière de le tourner était amusante. J'ai fou une petite cape de cuivre là. Vas-y, vas-y. Voilà, je curve. Je peux pas trop faire autrement de toute façon. Non, non, bah là, tu. Là, t'y vas, hein. Oui, j'en mets un. Et il l'a toujours, quand même, hein, mine de rien. Oui, bah en même temps il joue mono bleu donc il a pas ses petits contres. En chien. Par contre, il Ah, a pas des jamais ses petits lents. landes. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il a des petits contres. Du coup, je peux encore faire ça. Parce que là, c'est Quoi? clair qu'il va contrer ça. Ouais, mais au final, est-ce que t'es perdant? Ou alors, je peux faire juste ça. Ça prend pas mes 10 de pire. Phase d'attaque, un point. Enfin, déjà, phase En d'attaque. fait, je pense qu'il faut que tu le prennes de vitesse. On s'en fout qu'il nous mette des contres, qu'il nous mette des contres, qu'il nous mette des contres. Oui, mais là j'ai le choix de faire deux spells dans le même tour. Et il peut pas contrer les deux. Donc résoudre un permanent, c'est plus fort que Bon, se faire contrer un truc tu passer son commences tour. par adepte dans ce cas-là et tu les Adepte, je vais gardes. voir. Ok. Parce que s'il a un contre de créature. Ok. Là je peux tenter garde. Ah, il faut lui donner, il faut que ça tombe hein, de toute façon. En fait, comme notre deck, il peut pas choisir de remettre à plus tard les dégâts que tu vas mettre. En fait, la pression que tu veux mettre à ton adversaire, elle est en early game. Tu peux pas te dire en mode ah je distille un peu mes menaces en fonction de ses contres. Non, nous on est mono blanc, tu poses, lui il contre, et derrière tout ce qui touche le board, ça bourre. Voilà, tu vois, comme ça, cette Adeline-là, elle prendra pas mes dispersion d'essence. Ouais. Et si on prend dispersion d'essence, bah derrière on annonce du mariage. Pas grave. Ça gère, mais c'est des points qui sont pris. C'est ça. L'essentiel, c'est comme il n'a pas de land, il peut aussi avoir des créatures
qui pour l'instant il ne peut pas jouer. Et c'est aussi l'actel, l'essentiel. Oui. Bon, là, on se fait tout contrer, on y va. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un qui a un petit marqueur pour augmenter la cloque. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que Ouf. si on avait un qui avait un petit marqueur, le deuxième l'aurait aussi. Oui, il donne à son pote, il est Du sympa. coup. Il dit, tiens, je te montre, on m'a appris ça. Regarde comment on fait. Il garde au-dessus, c'est un land. C'est un land. Dommage. Il a un autre bounce. Il a le land Oui, il est plus. claffy. Comme Laurent. Laurent Claffy? Laurent claffy. Le sniper? Lui-même. Imagine, on Oh. tourne une vidéo avec Laurent Baffy. Il connaît pas Magic, il est juste derrière nous et il rebondit sur ce qu'on dit. Je pense que juste il nous insulte. Et tu sais, au bout d'un moment, il n'y a Il plus de balance les vanne. deux têtes de con là. Il n'y a plus de vanne. C'est genre juste. C'est méchant. C'est juste insultant quoi. Il a pioché land. Donc. Ah bah de toute façon, J'y refous il a ça. d'autres options. Il n'a pas contré, hein, il a bounce. Moi ouais, c'est vrai. Après, peut-être qu'il avait contre, mais. Alors, qu'est pas ça, Narwhal Tree? Hello, papy, mais qu'est pas ça? J'entends des bails affreux sur moi. Et ouais, c'est nul un hein, mec 10 au pire maintenant. Revoir Boons, vu qu'il y avait un stop à un mana bleu. De grandes chances. Non, ouais, c'est un consider, des KT. Vu comme brille Adeline là. Ah ouais. Oh! Oh! Mais non! Oh! Parle pas comme ça de mon arrière-grand-père! C'est C'est lui lui qui qui m'a m'a tout tout appris! appris! Allez, 3 points! Allez, 3 points! Ah, les 3 points! Ah, allez! Oh là là, il est pétrifié! Il est pétrifié! Regardez, je le pétrifie. Une petite fraise avec votre Charlotte, s'il vous plaît. Oh là là, il est Ah non, parti, c'était mais too c'est much. normal. C'était too much ce que tu lui as mis. C'est pas la fin de cette vidéo. C'est incroyable. Mettez quand même un pouce bleu, partagez, commentaire, abonnement. Les réseaux sont dans la description avec notre chaîne Twitch, Et valpelmagicarena.fr. place à la deuxième game. Et place à la deuxième game, Mais évidemment. n'oubliez pas, toujours. Mais ceux qui écoutent juste d'une oreille, ils disent, ah, c'est fini. Et ils coupent. Comme ça, je nique le watch time, Val. Tu On comprends? va le voir Tu au watch comprends? time. Le drop à 17 minutes de la vidéo. Pouf, pique. Sioux! Et du coup, on va Mais ils vous sont donner une partis où? info exclusive dans la Ah ouais. deuxième partie de cette Comment vidéo. gagner tous vos matchs de Magic? Absolument tous. Mais ça Et marche vous ne le plutôt. direz pas aux autres. Voilà, ça ne marche que en match physique. Il suffit vraiment de faire très peur à l'adversaire. Voilà. Soyez intimidant, malhonnête, tricheur, tout ce que vous voulez. Et là, vous gagnez tous vos Moi, matchs. ce que je vous conseille, parce que des fois, faire Ça, peur à c'est super. l'adversaire, ça passe notamment par un physique avantageux, en tout cas assez musclé. Poussez. Et oui. Poussez de la fonte. Non, mais admettons que vous n'ayez pas le temps de pousser pour préparer votre prochain tournoi. Moi, je vous conseille ma technique. C'est un petit perfecto en cuir, un Opinel dans chaque main, Ouais. Ou avec un alors, bandana autour du vous le cou. faites passer de main en main aussi. Voilà comme ça, un Ouais. Opinel dans chaque main, un perfecto, un petit bandana, et là, t'es sûr que le mec, il se dit, putain, lui, il me plante. Ouais. Vous Il êtes me le met entre Morbihan? Vous êtes le mec de Yu-Gi-Oh? Oui? Mais oui, comment je sais-tu? Oh, lui, il va me le foutre entre les côtes, je... Ah ouais. Oh, vraiment, et il a l'air d'un vil gredin, tu Un vois. gredin? Ah Ah, oui, mais un mais gredin des villes. vous gredinez. Ah bah le gredin des champs, pas le même skin. Et puis il faut regarder l'adversaire avec les froncils, Les les sourcils sourcils froncés, froncés. ouais. Les froncils froncés. Les sourcils froncés. Oh, land tap. Ouais, je mets ça, comme ça je peux faire tour 1 et roll. Tour d'après. Plutôt que de faire ça là. Ça te 2-2 nul là. On affronte Golgari, c'est pas le meilleur des match-up. Hein. RP 1. Ah, bah il a Nurgle. raison de RP. Oh, il y a des skins. Mais en ce moment, les Golgari, ils Ils sortent sont le. skinnés. Sortent la veste. Hein. Oh, mais je crois que tu as Adeline ici. Hein. Du coup, je trouve mon petit land. J'aime bien un petit Adeline. Et je Ouais. crois que j'attaque avec tout. Tu perds ta vendeuse? Ouais. Ouais, c'est pas grave. C'est une perte de tempo. Ah ouais. Genre, si jamais à son tour, il fait je pioche, je perds un Ah, de point toute de façon, vie. tu la rejoueras avec spécialiste, que je s'en fous. En plus, j'ai spécialiste. Ouais. Et spécialiste, ça marche bien dans le deck avec notamment vendeuse parce que c'est des effets qui n'ont pas besoin Bim! d'attaquer pour fonctionner, quoi. 4 points. Ouais, ça marche très très bien. On dirait qu'il n'y a pas café. Eh! Eh Pas beau, mon pote! bouquin? Hein? Elle t'a chalande. Pas mal, Alors, beau jeune homme, hein? on veut lire un peu? Et Non. là, par contre, glissant et deg, pas perdu. Ça va, tout de suite, on a perdu. C'est pas ouf, quoi, c'est vrai. On a un, hein? Bon. Quand même, hein? Comment on fait? On pose du board, on attend. Déjà ça. Tu mets un truc Je sur mets une un des truc vendeuses ou là-dessus, sur... attaquer avec les vendeuses pour faire spécialiste, mais c'est nul. C'est Ouais. nulâche. Moi, ouais, c'est nul H. Bah, vas-y, passe le tour du coup. Je vais payer 1, c'est sûr. Je vais foutre sur ça.
Je mettrais plutôt sur une vendeuse, moi. Est-ce que tu veux qu'on s'en au plus tard pour essayer de trouver une solution? Et pas ce tour. Là, on doit faire un bord de large. En fait, on veut faire le bord le plus large possible. Comme ça, dès qu'on gère glissa, on a juste à tout engager sur la gauche pour les pales. Ah, moi, j'engage le tour. Un land. Bon, on a compris, par contre. Je peux aller tuer Liliana, mais ça me coûte Adeline. On s'en fout de Liliana, je crois. En plus. Ouais, on s'en fout. Je pense que tu fais vendeuse passe. Vendeuse et un truc, et on défausse ça. Donc Oula. spécialiste qui réanime Oui. Tu... ça. Et on défausse vendeuse. Ouais, c'est mieux. T'as raison. Ça va être plus ceux de board. Parce qu'à un moment, on va juste attaquer tout vers la droite ou vers la gauche. D'ailleurs, faites comme vous voulez chez vous. Je vais incliner là, comme jamais j'ai incliné. Attention, selon comment vous engagez votre board, ça témoigne d'un camp politique. Sachez-le, vous faites passer les Donc messages. si vous êtes joueur de contrôle, vous engagez jamais. C'est-à-dire vous êtes centriste. Ah moi je... You Non. won't be outsmarting me. Pas d'avis. Ni plus ni moins. Ou alors justement, j'aime tous les avis. Ou j'aime tous les C'est avis, pas. effectivement. Je crois que moi, je suis. Enfin pas d'orientation, Je je suis veux dire. assez apolitique dans la vie, mais je m'estime assez centriste, je pense. Du J'aime bien coup. le consensus et le compromis, donc. Ah j'aime bien là. Mais là ça me déplaît pas non plus. Ah je reste là Mais du tu sais que coup. dit comme ça, c'est vraiment nul, quoi, mais. Eh ouais, après Golgari, body anti-bête, je fais rien moi. J'ai pas envie de jouer ça. Ah si, je peux jouer ça, et quand il fait des fossés, je mets là dedans C'est vrai flash. qu'il a pas eu besoin de faire grand-chose pour que ton deck fasse rien. Ouais, il a mis une bête. Et t'as vu ce que je dis? Je dis ton deck, hein. Oui, tu te désolidarises. Je me suis Et il est nul désolidarisé ton deck. direct de ce qui se passe. Alors que non, non, j'adore ce deck, hein. J'ai un pote qui joue mono blanc. Ah je peux le dire, hein. Je peux J'ai un pote qui joue plein de plaines. me permettre. M'a coaché en draft. Et c'est vrai. En plus. Prêt les Lorsta. prix, prêt, prêt, c'est le pays qui croit y prendre. Qui prie, prie, Hein? prend, dit, prend. We all have things we'd rather Après, cela dit, lui, ce qu'il fait, c'est nul aussi. Hein. Et à un moment, tu trouves anti-bet, c'est ciao. Ouais, bah mon anti-bet, ça va être phase d'attaque sur lui. Mec, tu sais que t'avances là, tu commences à buffer tout le monde, lui, il fait rien. À un moment, tu vas faire une vertu. Est-ce que je mets des... ça là? Ou est-ce que je fais ça? Non, tu fais pas ça, tu mets des marqueurs. Ça? Ouais. Ok. Je pense, hein. Je mets là. Mais sur Adept aussi, pour pouvoir casser des trucs. Alors ça marche pas comme ça. Faut des marqueurs. Ah oui. Dommage. Pas dans ma tête, c'était aspirante. Mais sur l'autre. Voilà. Parce Ok. qu'à un moment donné, le poteau, Il va il va me probablement bloquer les faire plus grosses là. Minus Liliana. C'est pas grave, hein. Bon, c'est un peu chiant quand Même même. board, hein. Oh, j'ai hâte de voir le tas qu'il va faire. Que les landes ou que les bêtes. Je garde que les bêtes. Ah bah oui. C'est quoi? On l'a fait au dé. Tiens, j'ai un D20. Pour choisir ce qu'on garde? Ouais. Bah tu choisis de perdre ou gagner. Enfin, perdre ou peut-être perdre. Oh Alors. putain, il s'est fait chier. Spécialiste. Chevalier. Ok. Et Oh, c'est de l'autre là. côté, non? Les trois trucs. Ah, mais les trois trucs, ils doivent être attachés aux autres, là. Il est malin. Adeline, vendeuse, recruteur. Bon, Ouais, je je prends garde. ça. Et spécialiste, et reprend un truc. Mais tu perds Adeline. Je perds Adeline, ouais. Et t'as qu'un land? Non, t'as combien de land dans la pile 2? Il a mis deux Parce qu'il landes faut partout. toujours. Ok, il faut toujours deux land pour que tu puisses jouer ton Il anti-bet. a mis deux landes, deux landes. Ouais, bah vas-y. Je pense que les deux piles sont ok. Ouais, je le fais au dé. Pile 2. Sacrifice. Ah non, c'est celle qu'on sacrifie. Je déteste ce jeu. Ça marche pas comme ça en Il peut y papier. avoir mauvaise communication, papier. Ah non, t'as dit que c'était celle que tu cherchais. Ouais. Et toi, tu fais non, j'ai pas dit ça. Non! Non! Bon, vas-y, va-t'en. Elle est gros, t'as deux terrains. Suis-je mort? Ah bah oui. Non. Ah si. Si? Ah oui, là, t'es mort, oui. Attends. J'attends, hein, mais Attends un peu. je vois pas ce que tu attends, quoi. Joueur au top deck. Il n'y a pas d'issue Une belle favorable. plaine. Regarde donc cette plaine.
A. B. Allez, passe à la suite. Sûr? Oui, bien sûr, mais regarde, il est setup lui. Mais moi je tue ça. Mais tu. Oui. Mais il se Ouais, c'est passe quand même nul. quoi? Ouais, Tu l'as d'accord. tué, tu Non, vas non, la tuer ou t'as pas? raison, je me barre. C'est peu quoi, c'est peu de terrain. Oh, le dé. Le dé qui nous a joué des tours. Alors, annonce du mariage, c'est cool. Je crois qu'on est obligé de déposer les armes contre lui. Hein. T'as rendu C'est compte? trop fort. Et bon, impératrice, je pense qu'on s'en fout. Tu peux enlever garant de la paix, tu conserves bien spécialiste, ça va faire le taf. Tu peux enlever adversaire intrépide, ça sert à mon carte de main deck, quoi. Et. Talia, c'est pas très fort contre lui. Ouais, mais après, c'est un bloqueur décent, quoi. Tu peux en garder deux, peut-être. Ouais. Ouais, j'aime bien. On part à 63. Ah, alors, non. Non. Alors, ben non, du coup. Est-ce qu'on veut Skrelv? Skull, c'est pas mal hein, contre ses anti-bêtes noires. Ouais, mais en fait, Après, il n'en joue pas non plus des Skrelv, c'est masses. bien Il pour n'en a joué protéger aucun. des. C'est bien pour protéger des bêtes clés, tu vois, mais joue. Est-ce que nous on a des bêtes clés à Oh, part oui, Agni? j'enlève. Je crois que j'enlèverai deux Skrelv et une vertu. Parce que c'est pas très agressif quand même. Donc ça, ce qu'on sait 3-2 et tout, ça attaque très mal. Hein. Un vol Ouais, de paix, c'était quoi. pour curver, mais 7, c'est pas si mal d'avoir 7 tours. Hein. Ça me va. Allons-y, tentons. Tentons-y. Je pense que de toute façon, si ton match-up il a un mauvais. Si ton deck il a un mauvais match-up, ton deck, hein, pas notre deck. Ton Ouais, deck à le toi, là, deck, moi, le mon le. deck à moi que je joue avec mes cartes. Avec lequel tu viens de perdre. Avec Tu lequel je viens de peux, je perdre un match précise. de façon minable. Minable. C'est bien. Ce deck-là, il gagne pas contre Golgari, en tout cas difficilement, quoi. Ouais. C'est vrai ça, ce que tu dis. Hein. Je crois que c'est le deck de celui qui a la souris dans ma tête. Tu vois ou pas? Ouais. Donc là, je te la passe. Ça devient ton deck nul. Tu veux me la passer pour cette. Je te passe quand je perds. Comme ça, c'est pas mon deck. Ok. Franchement, c'est accepté. Tu peux mettre fonderie? Bon, je peux Ouais, là pas. je peux. Et tu curves bien, là, t'es bien. Ah là, je suis pas mal. Hein. Là, tu voudrais la Du souris, coup, là. notre deck, il est cool. Bah non, regarde, là. Moi qui ai ça, là. Moi qui ai la souris. Eh ben, écoute. Tu vas faire annonce bourré avec ta 3-2, je pense. Ouais, tranquille. Pan. Il bloque. Il a raison. Oh, c'est dommage, tu crées pas des humains. Ah si, tu crées des C'est pas des humains. vampires, c'est des Ah humains. ouais, stylé, Ah oui, stylé, ça marche. stylé. Hein. Putain, c'est beau. Bien pensé. Hein. Ah dingue, hein. Dingue, dingue. Ah oui, et puis ça c'est nul en plus en Là, face. c'est nul. Oh mec, mais régalade. Retour fonderie. Je mets Talia. Adepte, tu bourres. Adepte. Ah là, on lui met tout le type. On lui met tout. Ouais, je pioche une carte plutôt qu'une bête. Je pense que tu pioches une carte, que Ouais. tu veux trouver un truc qui remove à la fois Sheldred ou Glissa si jamais il la pop le tour Exact. Oh, d'après. glissage, je l'ai. Mais je le dis pas. Pour lui, ça tu l'as. Enfin, oui, tu l'as parce que tu peux le faire en bloc, ça va. Je peux faire un bloc. Bloc. Oula, mais il fait des trucs nuls. Il fait ce qu'il peut. Voilà. Je passe à la 3. Il est super ce deck. Il est pas résilient de zinzin, le. Oh non! Oh non, pas comme ça! Comment il s'appelle? 2-0 le. Comment il s'appelle? J'envoie un message. C'est attends. Putain, je vois pas. Ah oh, putain, ah, il est anonyme. Ouais, je vais le voir avec le montage. Mais pas comme ça, gros. En plus, t'as le match-up. Tu vas commencer sur le play. Genre, il s'est passé quoi? On l'a saoulé? Je pense qu'on l'a saoulé. Mais Je vois pas, je je vois pas comment. mono-blanc. Genre, les gars, parce que si vous êtes saoulé par mono-red, si vous êtes saoulé par mono-bleu, si vous êtes saoulé par les decks contrôle, si vous êtes saoulé par Sheldred, si vous êtes Fait, saoulé vous par êtes mono-blanc, saoulé par Magic en mais jouez fait. pas Magic, les types. Genre honnêtement les poulets, hein, Non, vous vous faites du mal. je comprends Vous faites pas. du mal. Non mais je pense qu'il devait y aller. Genre je sais pas, il joue sur Était mobile pressé. Alors que c'est nous qui devons y et on aller. lui dit à table. Et hop là. Ou alors sa mère, elle rentre dans la chambre, elle fait: Je te l'ai dit de plus jouer à Magic! Vite fermé, tu sais. Tu t'énerves, il faut tuer ton compte mon aura des Sholdred. Et voilà. C'est un gamin qui casse tout dès qu'il prend sa traite. Sa mère, Donc il a tout cassé, elle c'est sait en pas ce que ruine c'est chez lui. Sheldred, mais elle entend juste son Ouais. gamin gueuler dans la Non! chambre. Putain, encore Non! Sheldred! Maman, c'est une 4-5 pour 4! Tu te rends compte? Et moi, je suis moelle en rouge! Comment je le passe le body? Et un jour, elle va juste lui Incroyable! répondre: T'as qu'à jouer des anti-bêtes! Et elle a une énorme gifle. Et là, il va comprendre et dire, mais oui, Mais oui. mais elle a raison. Et là, c'est le début d'une carrière. Joueur pro. C'était Nathan Steyer. Tous les joueurs.
Et ce C'est petit gars, l'histoire de c'est l'histoire de Nathan Nathan Stagger. Stover. Incroyable. Fin de cette vidéo, du coup, plus courte parce que le mec se barre. Bah, désolé. Et en vrai, ça va de game. On hein. a fait la game de 3. Hein. Franchement, c'est juste, ça a été rapide en jouant des Deck est aggro. imbattable. Deck imbattable, du coup, 100% de win rate. 101% même. 101%. On gagne les games qu'on ne joue pas. Exceptionnel. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.